Il existe bien des raisons de se rendre en Martinique, surtout lorsque c'est l'hiver en métropole, alors qu'aux Antilles, c'est la meilleure période avec des températures moyennes de 30 degrés. En plus du soleil, il y a la mer aux eaux turquoises et ses plages de sable blanc ou noir. Elles sont tout simplement splendides. Jamais surpeuplées et bordées d'arbres qui offrent une ombre parfaite pour la sieste. En Martinique, vous serez toujours impressionné par la diversité des paysages et le dépaysement qu'ils procurent. L'île a un héritage culturel colonial et métissé, marqué par l'esclavage et son abolition, plusieurs sites en témoignent. Séjourner en Martinique, c'est aussi apprécier les spécialités créoles, comme le poulet boucané et tous ces bons produits exotiques que l'on trouve sur les étals. L'idéal pour profiter de la Martinique est d'y séjourner en bateau. Et les loueurs de voiliers ne manquent pas à la marina du marin. Si vous préférez rester à terre, les hôtels et les locations se concentrent dans la partie sud de l'île, aux Trois-Îlets et à Sainte-Anne. Voici à présent notre choix de visite et d'activité. Regarde bien jusqu'à la fin pour découvrir les plus insolites. On commence par quelques incontournables. C'est en Martinique que sont produits de réputés rhums agricoles. Il faut visiter quelques distilleries et apprécier les dégustations proposées. Le village typique à ne pas rater, c'est le bourg d'Arlet avec ses maisons colorées et son église en bout de ponton. Dans ce secteur des Anses d'Arlet, faites de belles plongées dans une eau calme et claire. À Fort-de-France, il faut voir la bibliothèque Scholder, la cathédrale Saint-Louis, et pourquoi pas profiter des nombreuses boutiques du centre ancien pour faire du shopping. Sur les hauteurs de Fort-de-France, arpentez le jardin Balata, un vrai paradis tropical qui symbolise bien celle que l'on surnomme en créole Madinina, l'île aux fleurs en français. Pour les amateurs de randonnée, l'ascension du mont Pelé est un incontournable, même si en altitude, la météo n'est pas toujours au rendez-vous. Saint-Pierre a été marqué à jamais par l'éruption de 1902 qui a décimé la ville. Le petit mémorial dédié à cette catastrophe vaut une visite. Voici à présent notre sélection de visites et d'activités plus insolites. Faites le tour de la presqu'île de la Caravelle dans une nature préservée où l'on trouve les ruines du château du Duc, une habitation sucrière du XVIIIe siècle. Parcourez en barque la mangrove et découvrez la biodiversité de cet écosystème essentiel. Notre coup de cœur, une balade vertigineuse le long du canal des esclaves. Une randonnée sur un muret qui suit le cours d'eau, un canal d'irrigation construit au XVIIIe siècle. Si vous aimez la nature sauvage, allez jusqu'à l'extrémité nord de l'île, là où la jungle est la plus dense. Après un pont digne d'Indiana Jones,
tout au bout de la route, découvrez le village de Grand-Rivière, totalement dans son jus. En quête de fraîcheur, une baignade dans une cascade comme celle du Sceau Argis est une expérience revigorante. Comme la Guadeloupe, la Martinique est une destination de choix des Antilles françaises. La quantité de visiteurs n'est pas excessive et pour un trajet de 8 heures d'avion, on trouve des billets à prix raisonnable. Le slogan de la Martinique, c'est « Pas ni problème ». Un leitmotiv parfait pour garder la banane en toutes circonstances.